up in the morning. We'll stay on the phone till dawning. You tell me secrets I actually keep. You call me up around noon and bring me all good gossip. You hold my head when I throw up. I hold your hand when you weep. And we talk about friends, and we talk about records, and we talk about life, and we talk about the death, and we dance in the living room, we dance through sidewalks, we dance in movies, we dance at the festivals, and dance, dance. No man ever really danced like this. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was, and that you were too. C'est un début de concentration. C'est un peu une façon de se mettre vraiment dans la course. Et pour moi, ça me tient. C'est vraiment quelque chose d'important d'avoir une chaussure très bien cirée. Parce que c'est plus élégant déjà. Et c'est moi qui doit toucher, qui doit cirer les chaussures avant d'aller à la course. Vous devez être le dernier à les cirer. Ouais, ouais. Vous avez beaucoup de petites superstitions qui... Moi, c'est ma façon de faire ma valise pour aller à la course. C'est chaque chose à sa place. Quand vous faites votre valise. Voilà, c'est chaque chose à sa place, au même endroit, et c'est dans un certain ordre, pardon, que je place tout dans la valise. C'est un peu de superstition, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est mes affaires de course. Il y a que moi qui ai un peu le droit d'y toucher. Ouais. Demain, c'est la journée du championnat, puis c'est... La tension commence à monter, c'est que c'est quelque chose qui c'est le dernier préparatif et donc il faut en oublier, c'est vraiment mon moment à moi et c'est un peu d'égoïsme. Elles sont vigoureuses, hein. Et c'est une race, c'est quoi comme race? Ah mais ça c'est les vaches espagnoles, mais c'est les femelles de taureaux, hein, de combat. Ah oui, autrefois il y avait les vaches purement anglaises, maintenant c'est les vaches de... C'est les femelles des taureaux, hein. Ah, c'est les femelles des taureaux de combat? Ah oui, oui, oui. Donc elles sont aussi méchantes que leur mari, en fait. Ah voilà, tout à fait. Et qui est-ce qui vous a donné le goût de la vache landaise? Comment ça s'est passé au départ? C'est Philippe. C'est lui? Ouais. Et ça a été comment le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant que mes copains jouaient aux tamponneuses, moi je restais dans l'arène. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Je vais avoir 10 ans, je pense. Ouais. Moi c'était ma journée, quoi. C'était mon plaisir personnel de voir une vache, ça me rendait heureux, quoi. Mes copains allaient jouer au foot ou tout ça, moi je restais chez moi, je m'entraînais à la course landaise, quoi. Pour arriver le vendredi et essayer de mettre en pratique tout ce que j'avais travaillé la semaine. Et j'étais dans mon monde, c'était mon jardin secret, c'était mon truc, c'était ma passion. C'est vrai que ça... Je rappelle quand même, deux fois champion de France et demain, c'est la troisième. Peut-être. On va essayer. C'est aussi une histoire de confiance, quoi. C'est vraiment c'est de l'adrénaline. C'est un tout qui fait que en fait, ça met une adrénaline vraiment très spéciale. Mais après, dominer une vache, c'est une vache de 400 ou 450 kilos qui nous arrive droit dessus pour nous faire le plus mal possible. Et la dominer, la faire passer là où on veut. Moi, c'est quelque chose qui me réjouit, enfin, qui me rend vraiment, quand je suis dans l'arène, je suis vraiment dans ma bulle.
C'est le seul moment où vraiment je suis moi-même. C'est un face-à-face qui me fait tout oublier, quoi. Eh bien, le salut, les applaudissements pour tous les acteurs qui vont se disputer de ce 4e championnat de France des carpeurs et sauteurs. Et tout d'abord, dans la dernière place de la hausse, il en est le chef de Quardier. Bonjour les parents. Voilà, et bien la photo souvenir, le salut de Luc Lapouche, vainqueur de l'escalade chez les sauteurs. Ça commence pas très bien. Je vous laisse accompagner. Ça va aller. Alors, décidément, pas de chance non plus pour Christophe Mallet. Il voulait attaquer très fort, décidément, de l'émotion dans cette première sortie. À quoi il pense là, dans ces moments-là? Là, il regarde les adversaires, il regarde leur état de forme, leur façon d'écarter. Là. Il regarde un peu où ils en sont. Le Mont Blanc sert à entraîner la vache jusqu'au bout de la piste pour éviter qu'elle se retourne derrière les carteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a levé les carteurs, elle court sur le blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus offensif? Être plus près de la vache? Être quoi? À l'intérieur. Le meilleur écart, c'est celui qui l'écart où l'écarteur tourne du côté de celui qui tient la corde. Et là, il n'est pas protégé. Les cordiers ne peuvent rien faire. Ah, ça, c'est plus dur et plus risqué. Ah oui, parce que là, il n'y a plus de protection. C'est la vache et l'homme. Ah, alors que là, Loïc ne l'a pas fait. Il a joué sécurité. Oui. C'est Loïc, là, maintenant? C'est Loïc. Yeux fermés derrière, c'est lui. Alors, deuxième écart de Louis Lapouche, s'avance Christophe Mallet. En fait, est-ce que plus vous fermez les yeux, mieux ça passe? J'ai l'impression, alors on va continuer à les fermer. On va continuer comme ça. Ouais. Donc vous n'allez rien voir du coup. Mais il y a l'aventure au film, voilà, il y aura des DVD dont on regardera. Ah d'accord. Le premier avec deux joueurs, Hugo Vignetoma. Deuxième, pour ce coin, Christophe Mallet. Troisième, I-75, Denis Lazartigue. Il faut toujours... là, c'est le rang d'observation. La première partie, ils vont s'observer. Et après, c'est à partir de allez, la course. La sixième vache, septième, huitième, c'est là qu'on va commencer. Et les quatre dernières, ça va être le sommet. Et c'est là qu'il prend des risques. Ah là, ça va... Là que ça chauffe. Là, ça va... C'est là qu'on... On verra, là. Hop là. Elles sont défiées sur leur terrain, donc elles marquent leur terrain. Et tout ce qui est dans leur terrain, eh bien, elles le châtient. Là, le carteur est dans leur terrain. Aïe, 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 aïe. Oh là là, elle s'acharne. Dommage pour Benjamin de Revers cueilli à son premier cas. Eh bien, il fait signe de replacer la vache, les carteurs. On connaît tout le courage et le panache. Oui, mais je suis pas chauvine. C'est parti. Oui. Il est pas mal lui en vert là. Ah il est bon, il est bon. Il est premier. C'est le premier. Oui. Mais ça se voit. Ah oui. À quoi? Je sais pas. Il est à l'aise, il est léger, voilà. Il est bien, il est bien installé. Oui, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Oui, oui. C'est la loi du sport. Il faut le premier. C'est quand même son championnat, son titre de champion de France là qui est en jeu. Là. Eh bien sérieux. Il le cédera. Quand on joue.
faut savoir perdre. Ah, c'est parfait. J'arrive pas à savoir si elle regarde ou pas. Elle regarde pas. Attention. Un rez-de-choc pour Louis de la Poésie. Malheureusement, il n'a pas le choix, c'est le dernier écart de la sortie. Il a été pris à l'écorne. Pourquoi? Il est solide, le garçon. De rester sans bouger comme ça? Ça arrive. Comment? Ça arrive. Il bouge plus, il bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Il est blessé. Il est blessé là? Ouais. Il se relève. Les volontaires de danse écossaise, se relève. Tu peux récupérer si tu le souhaites. Et on voit tout le courage et la volonté de Loïc Lapouge. C'est impressionnant pour son deuxième et dernier écart. Voilà, c'est parti. Loïc Lapouge, Christophe Amé. Et bien, on va l'accompagner pour ses deux derniers écarts. Mais il ne peut pas se dire là, je suis trop fatigué, j'ai trop mal, je vais être mauvais au coup d'après. La fierté veut qu'il revienne. Ils abandonnent pas sur un écart où ils sont touchés, normalement. Bien, donc le dernier écart devant cette coursière. On sera ensuite là, il va aller rechercher du mental. Du concours. Du courage, du mental. Oh, mais vous êtes fait mal, vous avez mal? Je sais pas. Un peu, ouais. Vous avez mal où? À mâchoire au bassin. Et vous allez quand même aller jusqu'au bout. Oui, oui, bon, c'est pas fini. On peut gagner encore. On peut gagner encore. Oui, oui. Ouais, c'est pas fini, c'est très long. On peut gagner, oui, encore. Et on n'abandonne pas quand on est un quarter. Surtout ça, surtout dans le championnat de titre. On ne peut pas abandonner. Et jamais vous vous dites, oh là là, j'ai mal, j'arrête, j'en ai marre. Faut pas. Si on n'est pas un quarter, sinon. C'est vrai? Oui. Pas possible. Non. Ce serait la honte. Voilà. Une honte personnelle, c'est pire qu'une honte générale. C'est vrai? Alors votre maman, elle vous regarde pas, elle met ses lunettes noires. Elle sait. Vous savez? Bah écoutez, on est tout cœur avec vous. Allez. Ça va, mais là, ça repart à zéro. Hein, ouais. On repart là, on relève le compteur à zéro. Et là, tu vas leur montrer que t'es là. Championnat voilà. Qui est long et qui est difficile. Tombe-le sur une maison, Mitch. Allez. Le ou les derniers écarts pour être les champions. De cet après-midi, au combien très attendu, troisième fois. Bien, c'est le premier écart de Louis Lapouche. Ça va venir, petit à petit. Donc en fait, au début, n'oubliez pas aussi de vous procurer à la boutique. Il se teste, il regarde où il en est. Les plus grands rendez-vous de la saison. Je suis allé le voir en coulisses, là. Il dit la même chose que vous. Un superbe DVD que tout le monde va se procurer. Ça vient, ça fait mal. Des grands moments dans ces 20 années passées à Pomarez avec de l'émotion. C'est à la fin qu'on verra. On retrouvera aussi des acteurs, hélas, qui ne sont plus là aujourd'hui. Il fait sa course. À qui il parle tout le temps là? Alors, c'est le directeur technique de l'équipe. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a été champion de France plusieurs fois et qui le calme, qui le canalise en fait pour les courses. Il a l'air bien, il le calme vraiment, il donne des bons petits conseils. Oui, oui. Il a, depuis ses débuts en formel, depuis que Loïc écarte en formel, c'est lui qui le suit et bon, c'est son mentor. Hein. Ah oui. Il laisse la couronne. Là, c'est un grand soutien moral. Oui, on se bat, Loïc, allez vite. De l'Isio. Ah, il est
aussi, t'as la chance. Elle n'y est pas. Il n'y a pas la chance aujourd'hui. Allez, va revenir au bon sens. Non, c'est là. Il m'en faut un dehors maintenant. Et tu arrêtes de faire le fou, hein. Tu assures ça en dehors et tu restes au maximum. Qu'est-ce qu'il a eu de plus grave, lui? Qu'est-ce qu'on appelle plus grave? Bon, il a eu des traumatismes crâniens, enfin. Il a eu des côtes cassées, des genoux un peu secoués, des épaules démises, des hématomes. Il a tout eu, finalement. Rien que ça? Oui, des fractures. Et il y en a qui sont vraiment très, très, très touchés. Ah oui, il y en a qui... Moi, j'ai vu des écarteurs avec les jambes noires. Pour Benjamin dans ce premier écart. Ils veulent aller chercher le titre, ils méritent des applaudissements, surtout des animaux. Et attaquer, ça veut dire prendre des risques et c'est aller vers la blessure. Ça vous inquiète, ça? On préfère qu'ils soient en la position du premier et attendre que les autres reviennent que l'inverse. Ah, mais là, il faut attaquer. Donc, bon. Allez, Loïc. T'as trois vaches à finir, et trois vaches, il faut que tu fasses mourir, les vaches. T'as compris? T'as compris, Pitch? Fais-moi lever ce public un peu, là. Fais-moi lever ce public. Les écarteurs Bernet et Claudine sont très rares. Nous sommes très heureux de le saluer. Et on espère qu'un jour on ait une quadrilla Bernet. Je ne sais pas s'il est démotivé. Je vous rassure, je ne ferai pas partie. Non, non. C'est pas passé. Eh bien, cher public, on va bien sûr accompagner pour la revanche Louis Lapouche. Ce qui est jamais évident. Elle a tapé dans le genou, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la patte, je pense. Avec la patte? Merci Jean-François et Serge. La sécurité civile, c'est pas évident, je vous comprends. En repassant. Mais il faudra passer un IRM quand même pour voir. Une grosse entorse? Donc rien de grave? A priori non, mais il faut passer un IRM pour voir. J'ose pas vous demander comment ça va. On a connu mieux. Hein? On a connu mieux, hein? Ouais, j'avais la malchance, hein. Un peu la poisse dessus et rien n'est passé. Il fallait rattraper les points, se tenter, mais c'est pas passé. Voilà, il a fallu se risquer encore plus et voilà, ça m'a coûté un genou. Et qu'est-ce qui vous fait le plus mal, c'est le genou ou perdre le titre? Le genou, ça se répare, le genou, mais perdre un titre, hein, il faut, c'est encore plus de boulot, et beaucoup de sacrifices, et c'est quelque chose qu'il faut reconquérir. C'est vraiment très très dur, quoi. Est-ce que vous vous dites, bon, c'est bon maintenant les vaches, c'est bon, c'est fini, j'arrête plus jamais? Ouais, on veut une revanche. Hein. Non? Une revanche. Hein. Vous allez y retourner? Pas aujourd'hui, mais l'année prochaine, oui, ça va reprendre
me soigner cet hiver et repartir pour la saison prochaine. Il faut repartir. Ah oui, il faut repartir. Il faut aller jusqu'au bout. Réaliser un de ses rêves, c'est vrai que c'est une joie immense de réaliser quelque chose qu'on rêve depuis tout gosse. Et j'ai encore des rêves plein la tête, donc c'est vrai que tant que je ne les aurai pas effectués, je penserai que ma passion n'est pas entièrement faite. Quoi. Merci beaucoup, bravo. Merci à vous. Merci à vous. Prochaine. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Go to the video store. We even like the same movies. No damn Jedis or hobbits this time. And you laughed at my jokes, and I laughed at your jokes. And I even like the birthday press to get me to dance in a living room. We dance on sidewalks, we dance in the movies, we dance at the festivals, and dance, dance. No one ever really danced like this. Je cherche des cèpes. Et vous cherchez des cèpes, donc habillés en indien. Ben oui. Normal. Voilà. D'accord. Je suis toute l'année comme ça. Vous êtes toute l'année en indien? Ben oui. Tous les jours, vous êtes en indien. Alors attendez, non, parce qu'il faut que je me fasse à l'idée. Ouais, oui, bien sûr. Et donc, vous avez une patte de poulet sur la poitrine. C'est une serre de faucon. C'est une serre de faucon. Ouais. Qui tient un coquillage. Une perle de verre. Une perle de verre. Ouais. D'accord. Et donc pourquoi une serre de faucon qui tient une perle comme de verre ça. Comme ça. Oui, mais vous n'êtes pas indien. Non. Alors pourquoi vous êtes en indien? Ben, je vis comme ça. Et vous avez l'impression d'être indien? Plus ou moins, oui. Comment ça? Ben, déjà par la philosophie. Ouais. Façon de vivre. Ouais. Bon, quand on était jeune, on jouait aux Indiens, ouais. Mais jamais aux cow-boys, c'est drôle. Bah, y avait, donc, quand on joue aux Indiens, il y a toujours des cow-boys. Oui, mais nous, on était toujours Indiens. Vous étiez toujours Indiens. Ouais. Il est un peu humide, en plus. C'est pas au sec. On va le sécher. Qu'est-ce que vous faites? Quand on prend quelque chose dans la nature, il faut redonner quelque chose. 4 pincées de tabac ou 4 pincées de farine de maïs. 4 pincées de tabac ou 4 pincées de farine de maïs. Ouais. Donc on met ça dans les 4 directions. Alors on commence toujours par l'est. Ouais. Hein, on offre ça donc. Ça c'est l'est là. Ouais. Et comment vous savez que c'est l'est? C'est là que le soleil se lève. Et comment vous savez qu'il se lève là? Parce que je le sais. D'après l'ouverture du tipi. Donc le sud, l'ouest et au nord. Et donc là, on a offert à la forêt 4 pincées de tabac. Voilà, pour que la prochaine fois, il y a du nouveau du bois. Donc, à partir de quel âge vous êtes devenu indien? Enfin, vraiment? Les 10 dernières années. D'accord. Ouais, parce que j'ai eu un accident, donc, et c'est là que je suis parti dans le tunnel. Le tunnel donc, qu'on voit, voilà, théoriquement, donc, quand on meurt. Oui, ouais, c'est comme un tuyau, quoi, bleu. Et ça existe vraiment? Oui, bleu foncé. Et plus on avance, il devient bleu ciel et ça s'écarte. Donc, c'est comme un écran blanc. Ça s'écarte vers quoi? À l'extérieur. Donc, on voit que du blanc, quoi. Par rapport à votre accident, donc vous dites, il faut que je change de vie. Voilà. Et, mais plus pourquoi? Il ne faut plus que je fasse, métro-boulot-dodo, quoi. Travailler en restauration à Sarrebruck.
Et vous n'avez pas voulu redevenir serveur au Non. Donc vous êtes devenu... Il fallait changer de vie. Donc, Vous n'êtes pas dit, mais cette idée est folle. J'ai bien réfléchi avant. Vous êtes dit quoi? J'ai dit, tant qu'à faire. Allez. Voilà, on y va. C'est une religion comme une autre. C'est plus une religion ou plus une philosophie? Philosophie. Il y a un dieu ou il n'y a pas de dieu? Si, un grand esprit. Il y a un grand esprit? Oui. Et c'est le grand esprit de quoi? De la nature? De ce qu'on appelle dieu. Dans certaines tribus, c'est Manitou. Le grand Manitou, il existe? Oui. C'est un piège, ça. C'est un piège, ça. Les Indiens respectent, que ce soit un homme ou un animal, ou un arbre. On est toujours dans une relation de respect avec la nature. Voilà. On ne coupe pas trop bas. Oui, c'est pas bon. Et alors c'est quoi? Un cep. Il va être bon? Ah oui. C'est vraiment la forêt. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Waouh! Il dit qu'il y a des Indiens. Bonjour. Super. Ouais. C'est le shérif. C'est le shérif? Ouais. Bonjour, monsieur le shérif. Ça va? Ça va bien? C'est chouette, ça. Bah ouais. On a eu peur, là. Il y a des Indiens qui débarquent. Vous avez eu peur, hein? Bien sûr. Et donc vous étiez prêt à lui sauter dessus, à lui mettre les menottes? Pas du tout, pas du tout. Et on a le droit de se promener en Indien? Tant qu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a aucun problème. Est-ce que la tenue est officiellement décente? Oui, ça va. Ça va ou c'est limite? Non, c'est correct. C'est correct, d'accord. On préfère les courses comme ça. Voilà, on va continuer la patrouille. Bon, okay. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est votre maison. Voilà. Vous habitez là? Ouais. Et ça, c'est qui? Il y a quelqu'un là-dessus? Ouais. C'est qui? Ah, ben, c'est dit. C'est. Bon, c'est un Indien, incontestablement. Chief Joseph. Philippe Joseph? Chief Joseph. Chief Joseph? Ouais. Le chef Joseph? Ouais. Et c'était qui? Un nez percé. Nez percé? Ouais. Et vous, c'est quoi votre nom d'Indien? Dakota. Dakota. Oui, ça veut dire ami. Ami? Oui. Oh, ben bonjour Dakota, je ne vous ai même pas... Ami ou ami? J'ai attendu longtemps avant de vous demander votre nom. Là, c'est Dakota. Aussi. C'est le vieil Indien. Old Indian. Et donc ça, c'est un habitat typiquement lorrain? Non. D'accord. Donc en rentrant, les hommes passent à droite du feu et les femmes à gauche du feu. Ah, parce qu'il y a du feu à l'intérieur? Ben oui, on peut faire la cuisine aussi. D'accord. C'est le chauffage. Et on peut entrer ou... Bien sûr. Donc le coin gauche, ça appartient à la femme. Hein. Ouais. Et le coin de l'homme, c'est à droite. Donc. Mais vous habitez pas là, vraiment? Ben, si. Il n'y a pas d'affaires. Comment pas d'affaires? Vous... Faut se laver. Oui. C'est en haut. En haut, ça? Chez les Blancs. Ah, vous avez une maison de Blancs? Voilà, aussi. Ah, d'accord. C'est des perles de quoi, ça? Ça, c'est des perles de verre. Ça, c'est ce qui vous permet de gagner votre vie, en fait. Un peu, oui. Un peu. Bon, on va pas être millionnaire, hein. Non? Non. Ça vous va bien? Bonjour. Il y a des marques suite à San Juan. Ah! Elle parle pas français très bien, c'est ça? Non. Elle parle. Elle se débrouille. Elle se débrouille. Oui, parce qu'on est quand même en Lorraine, à de près de l'Allemagne. Ouais. Et donc votre SCO est allemande. Ouais. Ah ouais, c'est Vanaka Blé. Vanaka Blé, c'est-à-dire? Vanaka Blé. Blé, c'est le lac, et Vanaka, c'est fleur. C'est fleur du lac. Ouais. C'est son nom d'indienne. Ouais. C'est vous qui lui avez donné ce nom-là? Hum. Vous l'avez rencontré au bord du lac? Non, on s'est rencontrés dans la ville. Qu'est-ce qui a marqué sur la peau, là? Faut lire. Quand le dernier arbre sera abattu, quand le dernier gibier sera tué, quand le dernier poisson sera capturé, quand la dernière rivière sera polluée, les hommes blancs s'apercevront alors que l'argent
ne peut être mangé. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un proverbe indien, ça ? Ouais, c'est un proverbe cri. Comment ? Cri. Cri. Et ça, c'est votre proverbe préféré, ça ? Ouais. Pourquoi ? Bon, parce que c'est la vérité. Comme disait l'autre, hein. Quand les hommes auront disparu, la terre sera toujours là. Quand tu n'auras plus d'humanité, qu'est-ce qu'elle dira la terre ? Merci. Et pourquoi ça vous touche comme ça autant ? Parce que c'est pas normal. La terre est nourrie quand on l'entretient, quand on sème. Si on sème rien, ben, elle récolte rien, c'est sûr. Vous êtes un marginal ? Ouais. Vous pensez ? Ouais. J'aime pas quand on me dit tu dois ou il faut. Bon, ça s'arrête. Et moi, il faut rien. Et on doit rien. Pourquoi on n'a pas le droit de chasser sa nourriture ? Pourquoi il faut aller l'acheter ? Vous savez comment les Indiens l'appelaient l'eau ? Non. Pierre jaune. Pierre jaune ? Ouais. Pourquoi ? Pour eux, c'était une pierre jaune. Ah oui, donc un truc banal. Voilà, sans donc vous faites des bijoux. Mais ils n'avaient pas la cupidité des Blancs au niveau de l'or. Bah là, comment vous allez payer vos courses là ? Ah, avec une pierre. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas payer en pierre. C'est toujours des sous partout. Pas acheter. Produits américains, par exemple. On n'achète pas trop américains. Ouais. Donc si on leur avait laissé leur terre, hein, ils auraient pu continuer à chasser le bison, à chasser pratiquement tous les animaux, donc ils auraient assez à nourrir. Mais si vous étiez jusqu'au bouddhiste de l'indianisme, vous iriez à la chasse et à la pêche pour vous nourrir. À l'arc. À l'arc. Ah oui. Et si on ramènerait, ben, moi ce qu'il y a, moi, je dis racines. Ouais, est-ce que ça fait pas un peu bizarre quand même de voir un Indien comme ça dans un temple de la consommation ? Bah, il faut bien faire ses courses. Hein. Et oui, mais est-ce que c'est bien un raccord avec la philosophie indienne ? Bah, non. Bon, voilà. Comme ça, c'est réglé. Voilà, voilà. Mais moi, ce qui m'épate, c'est que personne ne me dit « quand même, c'est un peu bizarre de vivre comme ça, dans cette tenue, etc. » Personne. Non, mais non. Non. C'est quand même un peu bizarre. Non. Mais ça change, ça change. Vous ne trouvez pas ça spécial ? Non, mais c'est bien. Non, c'est pas ça. Bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc vaguement on entend les bruits qui est autour. Et donc, c'était combien de temps comme ça à méditer ? Une demi-heure. Tous les jours ? Pratiquement, oui. Enfin, ça dépend du temps aussi. Hein. Quand il pleut, c'est sûr, on va pas se mettre dehors. Et je crois que vous étiez résistant à tous les temps. Oui, c'est ce qu'on dit. Et pourquoi vous avez besoin de méditer ? Tout le monde peut le faire. Mais vous n'avez pas le temps de le faire. On n'a pas le temps ? Ben non, on est toujours pris par les horaires. Soit le boulot, manger, dormir. Hein, vous êtes toujours pris par des horaires.
c'est marrant parce que vous me dites, vous, vous n'avez pas le temps, vous, vous êtes... C'est comme si on n'était pas du même monde. Non. On n'est pas du même monde. Non. Il est comment, votre monde, à vous? Plus spirituel. Pas matériel. Le problème, c'est qu'il faut vivre au quotidien, donc vous vivez avec très peu d'argent, quelques ventes de bijoux, Voilà. Donc on se contente de ce qu'on a. Même une seule fois, vous vous êtes dit, mais... Non. Faut que j'arrête. Donc jusqu'au bout, vous serez indien. Ouais. C'est sûr. Ouais. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Quand je sentirai le moment arrivé, j'irai sur une montagne. Ah bon? Ouais. Pour faire quoi? Ben, le dernier voyage. Les indiens sont, ils vont mourir, ils vont dans la montagne. Ils prennent leur couverture et puis ils savent que l'heure est arrivée. Qu'est-ce que vous mangez le soir? Bison. Une rôti de bison. Je le crois pas. Si. Mais ils sont élevés où ces bisons? Ici, en Lorraine. Ah, c'est du bison lorrain. Ouais. Et c'est quoi l'avantage de la viande de bison? Elle est moins grasse. Vraiment? Ah oui. Mais ça se voit, hein. Plus tendre. C'est bien ce système. Oui. Ah, c'est superbe. Superbe. Tendre, hein. C'est bon. C'est tendre, c'est très pur comme viande. C'est bon. Tendre la bouche, hein. Alors, est-ce que vous parlez un petit peu la langue des Sioux? Pas beaucoup. Ben, bonjour. Ah oui, comment on se dit bonjour? How? C'est pas Hug. Hug, ça n'existe pas. Hug, ça n'existe pas? Non. Mais ça vient d'où, Hug? C'était dans les bouquins. How? How? Mais c'est pas loin de Hug. Ouais. Et on met la main comme ça? Ouais. Et au revoir. Pareil. How? Ouais. C'est facile. C'est 4 fois, ça compte pas. Allez, vas-y. Oh. Vous êtes sûr que c'est lequel met de la paix? S'il n'y a pas un autre modèle plus... Non. Moi, je veux dire, il y a un truc qui m'épate chez vous. Ouais. C'est que vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez envie d'être. Voilà. Et surtout, ce que vous faites, ça permet aux autres de se rendre compte qu'on peut accepter les gens dans ce qu'ils sont. Ouais. Et vous avez réussi dans tout le village. C'est ça qui m'épate. Ouais. C'est que tout le monde vous accepte totalement. Ouais. Et ça me bluffe. Et du coup, ils doivent mieux accepter, si ça se trouve, les autres qui ont d'autres différences. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Comment on a dit au revoir? Hao. 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 Et merci, ça veut dire Pilamaya. Pilamaya. Allez, une petite dernière pour la route. Pilamaya. Tell me what they did this time. No matter what, I'm by your side. When it's raining, we'll go to the video store. We even like the same movies. No damn Jedi's or hobbits this time. And you laughed at my jokes, and I laughed at your jokes. And I even like the birthday press to get me to dance in a living room. We dance on sidewalks, we dance in the movies, we dance at the festivals, and dance, dance. No one ever. Peggy, viens, je
suffit. Alors elle, c'est Lulu. C'est une des c'est premières. Lulu. C'est une des premières. Oui. C'est Lulu. Et quand elle est arrivée, elle était obèse. Elle était grasse. Vous voulez faire un régime? Oui. Là, elle est en plein régime. Oui, évidemment, ça se voit pas bien comme ça. Mais oui, oui, elle est au régime. Voilà. Et ça, c'est tous des cochons nains qui sont pas nains. En fait, c'est ce qu'on appelle des cochons nains, mais qu'on devrait pas appeler cochons nains. C'est nain par rapport à un cochon de 300 ou 400 kilos, effectivement, qui arrive à la hanche et qui fait 2,50 m de long. Mmh. Mais c'est des cochons vendus pour nains. Oui, c'est ce qu'on appelle des cochons nains. Alors, les vendeurs essayent d'arnaquer les gens. Donc, en fait, il y a cochon nain, cochon américain, cochon chinois, cochon vietnamien, cochon asiatique. Tout ça, c'est la même chose. Ah. C'est tous ce genre de cochons. Ils font tous entre, on va dire, 40 et 80 kilos à l'âge adulte. Ils finissent de grandir à 3 ans. Et ils s'en vont tous là-bas. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont brouter. En fait, c'est leur... C'est le dessert. C'est, voilà, c'est exactement. En fait, ils passent leur journée là-bas à brouter de l'herbe. Ils sont marrants. Ils vont tous au dessert. Ah ouais, bah là, c'est... Et puis, on les reverra plus de la journée par ici. Ils vont rester toute la journée on là-bas. On peut aller après. Voir une fois le dessert. Donc là, dessert. Oh, bah, c'est charmant comme endroit pour le dessert. Ah oui, non, là, ils sont super bien. Ça, c'est du bonheur, ça. Voilà, c'est ça, faut pas les perturber. Et donc les cochons passent leur journée à brouter, en fait. Qu'est-ce qu'ils adorent? Oh, mais ils adorent tout. Le problème, c'est justement ça, c'est qu'il faut pas leur donner n'importe quoi pour pas qu'ils deviennent obèses. Et donc, après le dessert, le cochon se gratte. Et en fait, c'est le bonheur absolu. Un bon repas, un bon dessert dans un joli pré, et se gratter le dos. Voilà, mais, ils vont pour bien. Être mieux dans la vie. Non, ils vont bien, ça je vous rassure. Il n'y a pas, il y a plus malheureux. Vous venez? Allez, venez. Allez, viens. Bah oui. Vous n'avez jamais gratté un cochon. Et ben voilà. Donc là, vous grattez Bill. Je gratte Bill. Et donc, tout ça, c'est des cochons nains devenus grands normalement, car tous les cochons nains deviennent grands. Voilà. Et ça, c'est votre combat. Voilà, parce que les gens en prennent. Finissent par les abandonner, ils en prennent comme ils prennent des chèvres, etc. Ouais. Ils les abandonnent, il n'y a aucune structure qui peut les récupérer. Et donc vous? Et donc nous, on a monté une association et un refuge. Voilà, pour récupérer les cochons abandonnés. Donc vous êtes le refuge des cochons nains abandonnés. Qui ne sont pas nains. Exactement. On peut aussi prendre des cochons pas nains du tout, des cochons de ferme. Ah, le cochon pas nain au départ, vous l'acceptez aussi? Alors en petite quantité, vu la surface qu'on a pour l'instant, mais on en a eu une. Donc alors, si j'ai bien compris. Vous êtes refuge des cochons nains qui sont pas nains, mais aussi des cochons pas nains au départ. Donc vous êtes refuge tout cochon. On est refuge tout cochon, mais plus spécialisé dans les cochons dits nains qui ne le sont pas. D'accord. Sinon, on a un réseau de placement dans toute la France. Ah, vous placez les cochons nains qui c'est sont ça. En fait, le but, si vous voulez, c'est de les faire adopter par des familles adoptantes. Qui savent du coup qu'il est pas nain. Exactement, ils ont toutes les informations, on les sélectionne, enfin voilà. Un cochon a besoin de creuser, de brouter, d'explorer. S'il ne le fait pas dehors, il le fera avec le tapis du salon, le canapé... Le tapis creuse et broute la moquette. Exactement. Alors surtout si on peut faire passer un petit message, c'est que les gens n'offrent pas des cochons pour un cadeau d'anniversaire. Parce qu'après, on ne sait plus quoi en faire. Non, mais les gens ne sont pas informés, savent pas ce que c'est et ça se termine toujours en abandon. On dirait que vous voulez convaincre tout le monde de ne pas prendre de cochons. Exactement. Mais vous aimez les cochons? Parce que c'est génial, mais il faut être prêt. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut au moins avoir les informations au départ, au moins. Donc c'est un engagement quand on prend un cochon. Et voilà, c'est comme un peu avec un chien ou un chat, sauf qu'avoir un chien ou un chat, c'est facile, parce que tout le monde peut avoir accès à l'information, les vétérinaires savent les soigner, oui, c'est simple. Oui, mais alors en revanche, avoir un cochon, c'est par la suite avoir un bon jambon. Vous rigolez ou quoi? Non. C'est du cochon, c'est du cochon compagnie, on ne mange pas les... Pas. Moi, je suis végétarienne, je ne mangerai pas de cochon. Non, mais ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Non, non ça c'est mauvais. C'est poison. Non, c'est pas vrai. C'est poison, c'est toxique. C'est pas vrai. Le vietnamien est toxique. Qu'est-ce que c'est que tous ces sacs, là? Ça, c'est des sacs de nourriture à cochons. Non, c'est bon, j'ai l'habitude. C'est vrai? Oui. Tout ça, c'est la nourriture pour vos cochons? Oui, c'est des granulés pour cochons vietnamiens. On les fabrique et on les vend. Ah... Les bouts de groin sont mes copains. Mmh.
va très bien, merci beaucoup. Bonjour, ça va? Bonjour mes bébés. Ah mais il y a beaucoup d'animaux ici. Oh, bah. Ah ben bah, là, ce sont les petits jeunes. Hop, pots de colle. Allez, viens là, Didoum. Mais c'est l'arche de Noé chez vous. C'est peut-être ça, oui. Nous nous intéressons à tous les types d'animaux. Tous les animaux. À tous les animaux. Tous les animaux, en tout cas, de la ferme. Vous avez combien d'animaux? Les cochons, à peu près 450. 450? Oui, mais tout compris, avec les petits, comme les poules. Mais vous êtes dingue des animaux. Complètement folle. Complètement folle, c'est vrai. Vous êtes folle. C'est ce qu'on dit, oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Et les cochons, ils sont là. Alors les cochons, c'est Prosper et Mérimée. Prosper, Mérimée, allez les bébés. En fait, le plan incliné, c'est super pour leurs articulations. En revanche, il faudrait qu'il arrive au ras de ton truc. Parce ouais, que c'est ça, oui, parce que là, on a... Fait, ouais, t'as, je sais pas, il y a quoi, il y a 10 cm? Oui, à peu près, oui. Et en fait, quand tu regardes les pattes, c'est quasiment la hauteur de sa patte. Exact. Et donc, ils te font de l'arthrose précoce. Oui, bien sûr. Donc, en fait, bien il y a juste à remonter ton... Oui, c'est ça, carrément au niveau, là, tout simplement. Oui, c'est ça, pile poil. Et qu'est-ce que c'est, ces petits pieux, là-bas? Ah, ça, ce sont les des pieux des, qui servent aux cochons pour pouvoir se gratter. Ah, c'est des grattoirs. Ce sont des grattoirs, effectivement. Suivant le côté par lequel ils arrivent, ils vont avoir une face plus ou moins lisse. Ils peuvent choisir leur face, rugueuse ou lisse. Oui, absolument, ils peuvent la choisir. Massage californien ou massage à la turque. Si vous voulez. Et je préfère qu'ils viennent se gratter contre ces petits pieux plutôt que contre la cabane. Ah, disons, ça, c'est tip-top comme refuge pour cochons. Hein. Ah, c'est bien. Hein. C'est 4 étoiles. Ouais, c'est pas encore 4 étoiles, non. Mais... En général, tous nos adoptants sont comme Martine. Ah, c'est-à-dire oui. qu'ils n'ont pas 450 animaux, on est bien d'accord. Mais ils sont comme Martine au niveau de l'installation de leurs propres cochons. On essaye vraiment de faire attention. Allez, tiens. Et voilà, allez. Ah oui, eh ben c'est parfait. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Philippe. Ils vont bien tenir 2 heures, Prosper et Mérimée, avec y ça. Il n'y a pas de problème, oui. Ça grignote. Hein, ça dévore. Ça dévore. Si bon. On les laisse faire. Continuez à prendre bien soin de tout ce petit monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, elle arrive. Quand on va chez le vétérinaire, c'est pas facile toujours de trouver un vétérinaire. Un vétérinaire qui vient chez vous, encore moins. Le fait de les habituer au harnais à la laisse, vous êtes autonome, donc on peut les emmener chez le véto dès qu'elles sont malades ou dès qu'il y a besoin. Donc quand vous les promenez comme ça, c'est pour les entraîner à aller chez le véto. Exactement. Et en fait, d'être pouvoir être autonome, ça peut sauver, dans des cas d'urgence, ça peut vraiment sauver le... Enfin, la vie du cochon. Exactement. Toujours le petit conseil. Voilà, toujours, hein, toujours quand même. En passant. Allez, allez, viens cochon. Oui, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de prendre un cochon en laisse, qu'on soit bien d'accord. Sauf qu'ils aiment bien explorer de nouveaux territoires, etc. Donc ils aiment bien aller se balader. Allez, viens Rosalie. Mais alors, moi ce que je voudrais savoir quand même, c'est pourquoi vous aimez les cochons? Bah, parce qu'en fait... Parce qu'on n'aime pas les cochons comme ça. Ah, tiens, j'aime les cochons. Bah déjà, c'est rigolo à la base. Oui, c'est rigolo. Hein, une tête de cochon, c'est rigolo. Oui. Et puis, c'est super intelligent et c'est affectueux. Affectueux et, oui. Et en même temps, c'est pas pot de colle. Donc... N'aimez pas les gens pot de colle. Non, moi, je suis un petit peu... Voilà. Doudou, viens ici. Bonjour, mon chef. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour, monsieur. Ça va? Alors, vous sortez votre petite famille? C'est beau, avec le printemps, faut bien bah, oui. sortir tout le monde. C'est la première fois que je les vois de si près. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Vous ne l'avez jamais présenté. Ben non, mais je suis discrète quand je les balade. Oui. Et ça vous manquait? Vous aviez envie de le connaître? Non, mais maintenant, je peux le connaître comme j'ai été opéré du cœur et que j'ai une valve biologique qui vient probablement d'un cochon. Et voilà. Entre frères, on doit se saluer. Exactement. Ah, vous vous sentez frère de ce cochon? Ah oui, oui, absolument. Effectivement, il y a quelque chose. Et c'est depuis que vous avez la valve que vous faites ce bruit-là? Oui, avant, je connaissais pas du tout. Mais ils sont pas d'ici, ces cochons-là. Non, c'est des cochons vietnamiens. Mais est-ce qu'ils sont bons à manger, ces cochons-là? Infect. Bonne question. Alors là, vous avez dit ce qu'il fallait pas dire. Oui. Ouais. Non, mais je m'en non, vais. En fait, ils sont toxiques. Oui, je pense aussi. Oui, on ne peut pas les manger, ils sont toxiques. Et quand vous voyez un beau cochon comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait? Celui-là, je pense qu'il pourrait être un peu lavé, que son poil... Vous le trouvez un peu sale? Oui. Bonjour. Mais il est vieux celui-là. Bah,
Non, il est gris et noir. En fait, non, c'est mais la couleur. Il est vieux, il est vieux. Non, il a 5 ans. Ah bon? Ah, il a 5 ans. Parce qu'il a des cheveux blancs, vous dites ça? Oui, c'est parce que comme que je perds les miens. Bon, on va continuer notre petite écoutez, balade. C'est très sympathique de vous être arrêté là. Ben, merci. Continuez et je vous souhaite... Donc vous n'avez rien contre les cochons, hein, on peut continuer. Ah, non, 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 mais vous pouvez repasser. Bonne soirée. Et donc, avant le refuge pour cochons, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais assistante de direction dans une entreprise normale. Une entreprise normale? Normale. Quel univers? Aéronautique. Aéronautique. Et donc maintenant, oui. vous avez arrêté l'univers normal, voilà. Uniquement pour le refuge? C'est ça, pour l'association. Ça paraît incroyable. Bah ouais, mais ça s'est fait petit à petit en fait au départ. Donc, Mais vous réussissez à vivre du refuge? Non, alors je vis pas du tout de l'association. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir ma maison qui est avec mon ancien travail, elle est finie de payer. Ouais. Donc voilà, et donc du coup, j'ai pas besoin de beaucoup pour... si vous voulez, j'ai changé de vie quoi. J'ai plus besoin de beaucoup pour vivre du tout. Mais vous vivez avec combien vous? Comment vous faites? Je dois vivre avec, je sais pas moi, 800 euros par mois. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup. Quand on a la maison de payer, c'est pas si mal quand même. Ouais. Enfin, voilà, ça permet. Si vous voulez, je remplis mon frigo. Donc vous avez totalement changé de vie pour les cochons. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Et vous regrettez pas du tout? Vous êtes heureuse comme ça? Ah ouais, je suis super heureuse comme super ça. Super heureuse. Ah ouais, super. Alors là, vous me proposez un job renormal à 4000 euros par mois, je vous envoie péter. Hein. À ce point-là? Ah non, jamais. Plus jamais. Mais attendez, il faut que vous m'expliquiez le secret. Vous savez, il y a plein de gens qui cherchent le secret du bonheur. Vous êtes en train d'expliquer qu'avec 800 euros et des cochons, on peut être heureux. Avec 800 euros et faire ce qu'on a envie de faire, on est heureux. Totalement. Ah oui, oui. Et vos cochons vous comblent? Mais c'est pas mes cochons, c'est le fait de faire quelque chose qui nous plaise. Ouais. Mais, donc moi, ça passe par les animaux, mais ça peut passer par autre chose après. D'accord. Oh. Voilà, c'est le câlin du soir. C'est le câlin du soir. Et vous restez toute seule avec votre cochon? Vous n'avez pas un petit mari, un petit chéri, un petit... Si, si, mais pas qu'il ne vit pas à la maison. Ah, voilà. Il vient de temps en temps. Voilà. D'accord. En alternance avec les chacun cochons. Chacun chez soi, les cochons sont bien gardés. Le choix de cette vie-là, il est définitif ou vous ah vous ouais. dites qu'un jour vous pourriez revenir dessus? Jamais. Jamais? Jamais. Mon choix, là, je finis mes jours ici et... Avec vos cochons? Voilà. Je gagne au loto, je change pas un iota de ma vie. C'est pas vrai. Donc vous avez trouvé l'équilibre parfait? Bah, en tous les cas, le mien. Bah, merci de nous avoir laissé entrer dans votre petit coin de paradis. Et bah, merci d'être venu. Avec plaisir. Secrets I actually keep. You call me up around noon and bring me up good gossip. You hold my head when I throw up. I hold your hand when you weep. And we talk about friends and we talk about records. And we talk about life and we talk about the death. And we dance and we'll live and do. We dance to sidewalks. We dance at moves. We dance at the festivals and dance.